Cette année, les visiteurs de la Maison d'ailleurs seront immergés dans un univers interactif et féerique où l'art et la technologie se rencontrent. C'est à la fois une projection, c'est à la fois un logiciel qui a été créé et qui permet de pouvoir jouer en fait. On peut projeter plein de choses différentes dans ce qu'on voit. Alors, Danse avec les étoiles, c'est une exposition qui travaille la question des espaces. Et l'idée, c'est de voir comment ces espaces ou ce qu'on met dans ces espaces peut ou génère des expériences qu'on appelle artistiques ou esthétiques, donc émotionnelles. Ça nous plaît, ça nous fait vibrer, ça nous fait éprouver des émotions, alors que l'espace est imaginaire. Donc dans la littérature, c'est par exemple la capacité des écrivains de science-fiction à inventer une langue. Dans les espaces numériques, c'est la capacité des artistes à inventer des expériences qui vont mobiliser nos émotions et nous donner envie d'interagir avec ce qu'il y a autour de nous. Ou dans les espaces cinématographiques, c'est la capacité qu'on a à réfléchir à notre monde en mettant des situations qui ne pourraient pas y advenir, et puis qui sont émotionnellement dérangeantes et qui vont nous permettre de revenir à notre quotidien avec ces questions. Alors c'est tout ça dans Danse avec les étoiles, c'est les jeux, et puis qui ont pour but de créer des expériences émotionnelles permettant aux gens d'éprouver quelque chose et de réfléchir à leur quotidien. Sur cette réalité vient se greffer une couche un peu magique qui va être le fait qu'on puisse contrôler où vont les objets. On utilise une version un peu transformée qui est avec un leap motion, qui est donc une sorte de petite caméra. C'est un peu comme les caméras Kinect, ça capte la profondeur. Donc en fait, il y a deux objectifs qui permettent d'avoir deux images, gauche et droite, et un flash laser infrarouge qui permet de détecter la distance des objets. Ici, c'est un projet graphique d'un graphiste français qui s'appelle Aurélien Janet, et son idée, c'était de transformer l'univers de Jules Verne en code. Et l'idée, c'est que les visiteurs peuvent soit télécharger gratuitement une application, soit prendre une des tablettes qu'on a au musée qu'on prête aux gens. Et une fois qu'on passe devant, ça va décoder la citation ou ça va animer les images. Ce qui nous plaît avec les lettres, c'est la dimension poétique et le fait de faire bouger des objets qui ne sont pas ceux qu'on fait bouger dans la vie quotidienne en fait. Ça nous permet de rendre possible des choses qui sont impossibles. L'exposition Danse avec les étoiles ouvrira ce samedi à la Maison d'ailleurs.